Bonjour et bienvenue sur le cours en ligne de Madame Coudert. Dans cette vidéo, on va faire plein d'exemples de structures de LeWis. Mais on ne va pas prendre n'importe quel exemple, on va prendre ceux qui sont au programme de spécialité de première. Et tous ceux qui sont au programme. Ça veut dire qu'il y aura que ces structures-là qui pourront vous être demandées, que ce soit en contrôle ou au bac, ce qui est plutôt pratique. Si vous ne savez pas du tout ce qu'est une structure de LeWis, je vous conseille fortement d'aller voir cette vidéo qui vous expliquera tout. Sinon je vous rappelle rapidement. La structure de Lewis est une façon de représenter une molécule dans laquelle on représente les paires d'électrons sous forme de barres qu'on appelle doublets. Les doublets non liants appartiennent à un seul atome et les doublets liants forment des liaisons chimiques entre deux atomes donc. C'est bon, vous êtes au point On commence donc par la première molécule au programme. La première molécule n'est pas vraiment une molécule puisqu'il s'agit d'un ion H. On se rappelle les étapes. Première étape, trouver le nombre d'électrons de valence. H dérive de H. H a un électron, donc H+ a 0 électrode valence. Ce qui fait donc 0 doublet. Donc quand on écrit H+, sa structure de Lewis, c'est tout simplement comme ça. Si on veut, on peut rajouter la lacune électronique pour indiquer au lecteur que la couche externe de H+ n'est pas remplie. La molécule d'après c'est Na+, donc c'est encore un ion et ça ressemble fortement. Na+ vient de l'atome Na qui a perdu un électron. Na a un électron de valence, donc Na+ a lui aussi 0 Électrons de valence, donc ce qui fait 0 doublet. Na, s'écrit juste comme ça. Ici, on ne va pas indiquer les lacunes électroniques parce que, comme il faudrait 8 électrons, donc 8 lacunes électroniques, ça fait bizarre. Donc, on écrit juste Na, plus comme ça. Passons maintenant à un ion qui, lui, a des électrons sur sa couche de valence. Cl- vient de Cl qui a gagné un électron. Cl est sur la 7 colonne, il a donc 7 électrons de valence. Et comme on en a rajouté un pour Cl-, ça fait donc 8 électrons de valence, soit 4 doublets. Donc si j'écris Cl, il faut que je lui mette 4 doublets, 1, 2, 3, 4. Et on voit que sa couche externe est remplie. Enfin, une vraie molécule, ici H2. H2 est formé de 2 H, chaque H a un électron sur sa couche de valence, ce qui fait 2 électrons de valence, soit un doublet. Donc j'écris les 2 H, un seul doublet à mettre, donc ce sera forcément le doublet liant entre les 2 H. HCl, on a toujours H avec un électron de valence, et Cl, on se rappelle qu'il y en a 7, ce qui fait donc 8 électrons électrons de valence, soit 4 doublets. On écrit HCl, on met le doublet liant, et il nous reste donc 3 doublets à répartir. On ne peut pas les mettre sur H parce que H, un doublet, ça lui suffit, et il en a déjà. En revanche, Cl, il lui faut 4 doublets, il n'en a qu'un, donc on rajoute 4 doublets. Comme ils ne sont que sur Cl, on les met bien comme ça, ce sont les doublets non liants. H2O, donc 2H qui ont chacun un électron de valence, plus... O qui a 6 électrons de valence, ce qui fait 8 électrons de valence au total, soit 4 doublets. J'ai créé ensuite la structure de ma molécule. Je mets bien le O au milieu parce qu'on se rappelle que les H vont toujours au bord puisqu'ils ne peuvent faire qu'un seul doublet. Je rajoute les doublets liants. Il m'en reste 2 à répartir. On voit que les H, eux, ont déjà leur doublet, donc on doit répartir les deux autres doublets sur l'oxygène. On va les mettre en doublet non liant. Et on voit que l'oxygène a 1, 2, 3, 4 doublets. C'est bon, sa couche externe est remplie. CH4, on a toujours les 4 électrons de l'hydrogène plus les quatre électrons de la couche externe du carbone ce qui fait 8 électrons soit 4 doublets. On écrit le carbone au milieu et les H autour. On se rappelle qu'il faut toujours mettre les doublets liant d'abord et puis voilà en fait. On voit que on a nos quatre doublets. Vérifions que tous les atomes respectent la règle qu'ils doivent avoir leur couche externe remplie. H a un doublet, chacun des H a un doublet, tout va bien. Le carbone lui a quatre doublets qui Sont tous liants, mais ça lui fait quatre doublets autour de lui. Sa couche externe est remplie, c'est bon. On a trouvé la structure de Lewis de CH4. O2, on a donc chaque oxygène porte 6 électrons de valence. On en a 2, ça fait 2 fois 6, ça fait donc 12 électrons de valence, soit 6 doublets. On écrit les deux oxygènes et on met la liaison qu'on est obligé de faire. Maintenant, on est obligé de rajouter 5 doublets. Or, chacun des oxygènes a besoin qu'on lui rajoute 3 doublets. Donc, si je mets les doublets non liants qu'il faudrait pour que remplir toutes les couches externes, on voit qu'on n'a pas 6 doublets, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc cette structure n'est pas la bonne. Il va falloir trouver autre chose. Et donc on va faire une liaison double. On va mettre 2 doublets dans la liaison. Ce qui fait qu'il nous reste 4 doublets à mettre. 1, 2, 1, 2. Et si on regarde, chaque oxygène est entouré de 4 doublets. 2 doublets liants et 2 doublets non liants. Voilà, on a fait la structure de Lewis du dioxygène. Le diazote, N2. Chaque azote étant sur la cinquième colonne a 5 électrons de valence, il y en a 2. Ça fait donc 10 électrons de valence, soit 5 doublets. On va mettre les N et le doublet liant. De la même façon que le dioxygène, si je mets des doublets comme ça pour que tout le monde ait sa couche externe remplie, ça me fait 7 doublets. Or là, j'en ai que 5 à répartir. Donc encore une fois, ce n'est pas la bonne solution. Et comme cette fois-ci, j'ai 5 doublets et pas 6, je ne vais pas mettre une liaison double, mais je vais mettre une liaison triple. 1, 2, 3, 4, 5 doublets. Et chaque azote a bien. 1, 2, 3, 4 doublets autour de lui, donc 8 électrons, sa couche externe est remplie. Passons à CO2. CO2, c'est 4 électrons de valence pour le carbone, plus 6 électrons de valence pour chacun des deux oxygènes, ce qui fait 12 plus 4, 16 électrons de valence, soit 8 doublets. Je mets le carbone au milieu, et je mets bien les oxygènes de chaque côté. Je fais les liaisons. Si là, je mets des doublets non liants à tout le monde, on voit que j'ai beaucoup plus de doublets que ce que j'ai de disponible, puisque ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Or, je ne peux mettre que 8 doublets, donc encore une fois, ce n'est pas la solution. Il va falloir mettre des liaisons multiples. Donc ici des liaisons doubles. Donc je mets une liaison double, une liaison double. Voilà, le carbone à lui a ses 4 doublets. Sa couche externe est remplie. J'ai mis 4 doublets. J'en ai 8 au total, il m'en reste 4 que je vais mettre en non-liant sur les atomes d'oxygène. Les atomes d'oxygène ont deux doublets non liants, deux doublets liants, soit 8 électrons, leur couche externe est remplie. A noter que le carbone, si vous voulez retenir ça, n'a jamais, jamais de doublets non liants. Le carbone a toujours quatre pattes, si vous voulez, il fait toujours quatre doublets liants. NH3 maintenant, 5 électrons de valence pour l'azote, plus 3 fois 1 pour chacun des hydrogènes, ce qui fait 8, soit 4 doublets. Je mets mon azote au centre, j'ai 3 H autour, 1, 2, 3, je mets les doublets liants je vois que chacun des hydrogènes a un doublet donc je ne peux rien rajouter sur les hydrogènes donc il me reste un doublet que je vais mettre sur l'azote si je compte le nombre de doublets qui entourent l'azote 1 2 3 liants et un non liant ça fait bien 4 doublets l'azote a sa couche externe remplie tout va bien voilà la structure de Lewis de NH3 H- maintenant donc ça c'est ce qu'on appelle un ion polyatomique la charge moins ici est portée par la molécule H combien on a d'électrons 1 pour H, plus 6 pour l'atome d'oxygène. Mais comme il y a un moins, ça veut dire qu'il y a un électron en plus, donc on fait plus 1. Ce qui fait 8 électrons, soit 4 doublets. J'écris mon H, j'écris mon O. Je fais le doublet entre les deux. Je vois que mon H, comme d'habitude, comme il n'a qu'un seul doublet à avoir, on ne peut plus rien y toucher. Il me reste 3 doublets que je vais donc mettre non liant autour du O. Je ne vais bien pas oublier de mettre le moins. Et voilà, donc 1, 2, 3, 4 doublets autour de l'oxygène. Un liant, trois non-liants. Voilà la structure de Lewis de la molécule de H au moins. H3 au plus maintenant. On a donc 3H plus 6 électrons pour l'oxygène. Cette fois-ci, on n'a pas un moins, mais on a un plus. Ça veut dire qu'on a enlevé un atome, donc moins 1. Donc ça fait encore 8, soit 4 doublets. J'écris mon haut au milieu, mes 3H. 1, 2, 3. Et il m'en reste un que je mets en non-liant sur l'oxygène. Je vois que chacun des hydrogènes a bien un seul doublet liant. Et l'oxygène, 1, 2, 3. 4 doublets autour de lui, sa couche externe est remplie. Voilà la structure de Lewis de H3O+. NH4+, donc on a N qui fait 5, plus chacun des hydrogènes qui apporte 1 électron. On a ici encore une charge plus, ce qui veut dire qu'il y a un électron qui est parti, donc moins 1. Ce qui fait 5 plus 4, 9 moins 1, 8. Donc encore 4 doublets. Je mets mon N, je mets mes 4 H, 1, 2, 3, 4 doublets liants. Et voilà, 4 doublets autour de l'azote. Donc, sa couche externe est remplie. Et chacun des hydrogènes a un doublet. Donc, leur couche externe est remplie. On a trouvé la structure de Lewis. Dernier ion au programme de spécialité de première, O2-. Donc, il s'agit de O, qui a 6 électrons de valence, plus 2-, donc il y a à qui on a rajouté deux électrons, ce qui fait donc 8 électrons de valence, soit quatre doublets. O est tout seul. Et donc, on va lui mettre ces 4 doublets, qui sont donc des doublets non liants. Donc, j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Mais rappelez-vous, ce sont toutes celles-là qui sont à connaître, mais uniquement celle-là. Donc, ce n'est pas la peine de vous demander et si et si. Si vous connaissez celle-là, c'est bon, vous êtes prêt pour n'importe quel contrôle, n'importe quel sujet de bac.